Salut tout le monde, bonsoir! Eh putain, j'ai passé. J'ai passé une mauvaise après-midi sur Ultimate General Civil War! Oh putain! Oh là là! J'espère que ça va mieux se passer ce soir! Oh putain! Oh le carnage! Bon, retournons une game! Retournons une game, où j'en étais? Où j'en étais? Ouais, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. On va aller voir un peu le détail. On avait repris Esgaroth et Dale. On avait. Ouais. Il me semble qu'on était pas si mal que ça. Ça se passait plutôt bien. Ouais, mais c'est un jeu punitif. Il suffit d'une bataille et comme je ne recommence pas, eh bah, perdu, perdu quoi. Mais je pense que voilà, si je recommençais, ça serait un petit peu différent. Mais j'ai absolument pas envie de recommencer. Je veux pas recommencer. Bon, ouais, je me rappelle. Donc là, on était bien posé ici. Allez, on est sous siège à Dol Guldur. Mais je les attends à Dol Guldur. J'ai de quoi faire. Et là, j'ai l'anneau de pouvoir. L'anneau qui est là. Voilà, The One Ring, on va constituer une armée, on va se mettre en route direction la portion. D'ailleurs, on pourrait même prendre des généraux ici. Voilà. Ici, on va recompléter les pertes. Financièrement, on est très très bien. On fait beaucoup, beaucoup d'argent. On va essayer de basculer entièrement maintenant sur des T2 et T3, ok? Tu continues Last Trilogue? Ouais! Je vais sûrement demain, en début d'après-midi, on continuera Last Train Home. Ah oui, j'avais perdu Gundabad, mais je veux aller reprendre Gundabad. Je veux aller reprendre Gundabad, donc c'est parti. Tour suivant, à la bagarre. Loulou le destructeur. Coucou. Ben là, j'ai l'anneau. Angmar est intestable, donc on va bétonner le nord. Et on va mettre le paquet sur Dol Guldur et le Mordor. Le Gondor tient toujours, mais on va commencer à aider le Gondor. Et on va pousser. On va pousser très fort. On a remis sur pied les elfes. On va peut-être aussi aller aider les Galadrim. Reprendre Khaarazz Galathoth, ça serait peut-être une bonne idée. Angmar est très fort. Angmar est intestable. Hein. Donc je vais me contenter de bétonner. Aïe. Le problème, c'est que là. Oh, il y a des Rustbearers en Scarl et tout. Pouah, 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 pouah. Allez, on tente. Défaite claire. Je me suis fait éclater. Hein. Tant pis. J'aurais dû la faire. Mais j'ai la flemme. Ouh. Oh là 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 là. Angmar qui m'envoie stack après stack. C'est pas grave. Le terrain est propice à la défense. J'ai énormément d'archers. J'ai les garnisons. On va continuer à bétonner. Ok. Aïe aïe aïe, les Dunedain. La catastrophe. Le dernier stand des Dunedain. The Axe Bites. Oh là là, les Dunedain et Dunland. Faction détruite, je crois bien. The Uruk-hai, Nisengar est tombé! Wouhou! Hey! La tour d'Orthanc et tous ses secrets ont été volés de Saruman. Orthanc est prise. Rise of the Riddermark. Putain, le Rohan sont chauds. Le déclin des Rangers. Donc malheureusement, on a l'Isengard, les Dunedain et Dunland, les Dunlandings qui se sont pété la gueule. Et nous, on va continuer de booster tout ça. On va installer population croissance. C'est parti. Rose Gobel. Oula, Rose Gobel, on va continuer d'upgrader la viande. Et on va faire quoi comme bâtiment? Cattle farming. Voilà. Et Escarotte. On va installer en vitesse une guilde des maçons. Voilà. Sachant qu'on est aussi à l'attaque ici. Eh, il n'y a personne. Est-ce que ça passerait pas? Ah, le problème, c'est que j'ai pas de capitaine. J'ai pas de capitaine. Attendez, on va voir ce que ça donne en auto-battle. Mais j'ai peur que sans capitaine. Eh! Est-ce que vous pensez que je perds là? Même s'il y a un capitaine en face? Eh, on va tester. Hein. Je relancerai, hein, mais on va tester. Si on peut.
Victoire claire, on la prend. Hop. Voilà. Victory in your name, my lord. Voilà. On va baisser tout ça. On va réparer. On va changer la culture. On va installer un poste de garnison en vitesse. Et on va continuer à envoyer des masses de troupes vers le sud. Et on va continuer à... Ouh là là, attendez, ici, Houston, on a un problème. On va essayer de mettre les deux armées ensemble. J'ai pas envie que mon armée disparaisse ici. Et ça serait bête que je perde l'anneau de pouvoir. De la brotte en guerre, par du name, ok. Oh, regardez, les elfes. Eh, on en parle quand même des stack elfes qui viennent de lever la garnison, là. C'est propre, hein. Voilà, allez hop, c'est parti au boulot, là. Ici, on va... Alors, j'ai testé hein, de mettre l'espion dans une ville. C'est incroyable à quel point ça accélère le mouvement hein, d'avoir un espion dans la ville. Hein. C'est très très bon à savoir. Dance Hall, on va continuer. Hop là, à recompléter les pertes. Tac, tac. 22, non. Au moins, on a un général. Là-haut, on est sous siège. Ici, on va continuer à améliorer. Il me faudrait un stack pour aller vers le sud. Par exemple, tout ça là, tout ça, ça peut filer vers le sud. Voilà. Béorn, je peux absolument. Allez, on va lever du T1, un espion. On va aller reprendre Karas Galaton. On va aller reprendre Karas Galaton. Hein. Ça suffit. Ici, j'ai aussi une belle armée en formation. Hop, hop, hop. Et on va prendre tout ça là. Comme ça, et direction. Si ça se passait mal à Gundabad, on amène une armée d'élite pour faire poum poum. Sachant qu'on est en plus en train de développer un tiers supérieur pour les Bearnings. On aura bientôt une belle armée ici. Donc si on venait à perdre ça, ce n'est pas une catastrophe. Ok, je crois qu'on est bon. Mine de rien, Dol Guldur. J'ai l'impression que Dol Guldur, je tape dessus, mais ça suffit pas. Plus je tape dessus, moins ça passe. Hop là, let's go. Oh, regardez les armées du Gondor. Ils sont pas nombreux, mais il y a l'air d'avoir des bons généraux là-dedans. Tiens bon, le Gondor. Tiens bon. Tape sur le Mordor. Bientôt, I will be there. Et j'amène l'anneau de pouvoir avec moi. Et une armée d'hommes ours. Ça va faire mal. Oh, les stack elfes. On va pas se le cacher, ça fait plaisir. Eh, ça veut regarder ça. Boum. Allez, défonce-le. Oh, il attaque pas. C'est pas grave. Mine de rien, on a libéré quand même tout ça. On a battu Gundabad, on a libéré Mirkwood. Remis les elfes sur pied. Ça rigole pas. Hein. Les hommes ours sport, ça va. Ça va. Un peu de respect quand même. Oh, je suis assiégé à Rosgobel. Ça me dérange pas. Je vais continuer de préparer l'armée pour le Mordor. On a les finances pour. Oh, t'es sérieux? Tu viens m'attaquer ici? Alors, est-ce que Angmar va m'attaquer dans les monts brumeux? Ah! De la viande. On va aller lever le siège de Burzakul avec l'armée de secours. On va aller réoccuper le fort là-bas. Prochain run, Isengard. Ouais, Isengard. Et peut-être qu'en parallèle, je ferai un run. Je ferai ma revanche avec Eredwin. Ok, 9000 de thunes, c'est pas mal. Ici, on va continuer à pousser vers le sud. Je vais envoyer mes espions voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. Parce que. Allez, Dol Guldur est à Léofric Boeing. On va, comme je dis, là, le but maintenant, ça va être de se débarrasser de Dol Guldur. On va continuer je vais continuer à amener de la cave en renfort dans cette petite armée. Il n'y a pas de général, c'est pas grave, les nains. Voilà, et on va pousser. On va pousser. On va pousser très fort. Je vais aller poser aussi des... Ah non, mais non, putain. Attendez, je vais reprendre la cave. Toute la cave.
Et des troupes. Oh, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Je pensais pas que mon général allait partir d'aussi loin. On manque de généraux ici. Tous les mes généraux sont là-bas. Est-ce qu'on peut recompléter? On peut pas recompléter. Ici, on va continuer à amener de la viande et des troupes fraîches. Là où on est toujours sous siège, les bâtiments. Burzakul. Hop là. Ozanavar. Voilà. Bursalgai. On peut carrément construire une ville. C'est parti. Et ici, on a déjà les bâtiments en cours de construction. Ok. On a un beau périmètre défensif. Alors, on va aller à la bagarre. Il y a quoi là-dedans? Il y a du warg et tout, ça fait chier. Écoutez, non, je vais faire la bataille. Je vais faire la bataille. Ne serait-ce que pour me débarrasser des... Et là, il y a quoi? Il est seul? Il est seul? Ok, pas la peine de venir. On va faire juste ça. L'anneau est en sûreté pour le moment. Il est avec une armée. Dol Guldur me met encore des bâtons dans les roues avec Angmar. Mais c'est pas mal. J'ai pas d'archer. Oh là, ça va être... ça va être un... un gros rush bien bourrin. Voilà. Comme ça. La deuxième ligne de Perse Armure. Voilà. Simple et efficace. Ah, je croyais qu'il devait pas venir. Bon, c'est pas grave. Tu vas pas la corruption sous Bernato trop longtemps. Si, c'est problématique, mais... yes. Il va à l'anneau, je vais lui foutre dans le cul. Je vais lui faire... je vais lui faire oublier qu'il a l'anneau avec l'anneau dans le fion. Et tu vas voir que ça va bien se passer. À la con. On va se mettre en formation quand même. Charge-le dans le doute. Allez, c'est pas. Quelle armée est là? Ah, il y a des halbardiers de la couronne de fer. Eux vont faire chier. Ok, ils sont que 75. Oh là là, la sauce que je prends! Allez, on vient flanquer tout ça. Allez, le général pour le moral. Alors où sont les albardés de la couronne de fer? On va les focus fire. Et là on va bien flanquer tout ça. Angmar, ça rigole moins que Dol Guldur, hein. Ils sont là-bas, ils sont là-bas. Voilà, c'est eux que je dois choper avec mon anti-armure. Allez.
Et là, on va s'infiltrer comme ça. Et on va aller. On va passer entre. Et on va venir les chercher. Voilà, chopez-les, chopez-les. Avec vos grosses haches, mon T1 contre son T3. Chope-le. Et on va passer derrière. Allez. Ah, il a sa fuir. On leur fait mal, les entières, les petits Béornides, en anti-armure, ça bosse bien. Hein. Regardez, regardez, allez, 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 chopez-les. Coucou, on est là. Et ça panique. C'est le feu là, vous faites plus de... Allez, roulez-moi là-dessus. Voilà. Parfait. On a pris des pertes, mais c'est pas grave. Oui, on fuit déjà. Putain, ils se battent bien alors. Celui-là, ton jeu ne sera pas conscient puisqu'il n'a pas le film d'autorité. Ah, je ne savais pas. Excellent conseil. Bon à savoir ça. Donc techniquement Saruman avec l'anneau ne subit pas de corruption. Est-ce que j'ai eu l'écran de victoire? Ah non, il y a encore des... Putain, il y a encore les... C'est bon. Oh, il s'est reformé, putain. Allez, cassez-vous, là. Mais non. Allez, ils nous auront bien pété les couilles. Angmar, c'est pas Dol Guldur, hein. Putain. Les abris d'Angmar sont très forts. Ouais, c'est pour ça que je les ai contournés avec mon anti-armure de face et de derrière pour les juste pour les fixer parce que je me bats avec... Bon là, mes armées sont quand même plus qualitatives, je commence à avoir du bon T2 et tout. Mais les bûcherons, les bûcherons font le boulot, hein. C'est de l'anti-armure, même face à du T3, ils vont DPS. Ils sont là pour ça, les anti-armures T1. Ils coûtent pas cher et ça vous permet de croquer du T3 si vous n'avez pas d'arbalétrier, comme c'est le cas avec ma faction. Ça fait du DPS, ça marche très bien. Allez, on exécute, au revoir. Et là, on va aller prendre le fort. Aïe, 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 j'espère qu'ici, il va pas venir me faire chier. Vraiment, ça va... Putain, il a des Iron Crown Warrior et tout. Ça shit la troupe de bonne qualité. Angmar me pète vraiment les couilles. Si on a une sacrée armée aussi. Ok, c'est bon, là-dedans, c'est de la merde. C'est du gibon. Ici, l'anneau de pouvoir. On peut se demander, on est en droit de se poser la question de comment Dol Guldur a autant de troupes. Hein. Comment ils arrivent à avoir autant de viande, hein. Même si c'est de la merde, c'est quand même beaucoup, beaucoup de viande. Bon, là, les elfes sont chauds. Ok. Là, on continue de faire le ménage. Hein. On a tout nettoyé ici, Dale et compagnie. Non, on reste là. Ok. Tour 125. Oh, en plus, c'était dans ce coin-là où on avait les hobbits hier. Allez, regardez les elfes! Quelle bande de tchad! Au moins, ils protègent leur putain de forêt. Ils m'aident un peu. Juste un petit peu. C'est mieux que rien. Ah! Oh non, mais combien de fois on s'est battu à Rose Gobel? Y'a quoi en face? Ok, y'a des trolls. Y'a deux Camules Shadow Guard du T2. Heureusement qu'il a plus dans le Guldur. Par contre, moi, j'ai. C'est de la merde.
On va faire avec. On va faire avec, j'ai d'anti-armure. On va essayer de tuer le général. Il est excellent. Si on peut s'en débarrasser, ce serait une très bonne chose. Fais chier, putain. Des trolls. Heureusement, ils sont pas trop nombreux. Ça va le faire. Que 4 trolls, ça va, ouais. T'as vu, j'ai du T1 dans mon armée, hein. T'as vu la gueule de l'armée, tour 125? C'est pas... D'ailleurs, on pourrait les mettre là-haut, mes mecs, là, je pense. Je pense que mes... certains, là, regardez, hop. Ouais, regardez, là-haut, ça marche. Fantastique, ça va faire un beau tir croisé. La garnison devant, petit mur de bouclier. Mon deuxième lot d'archers derrière. Mes hobbits, est-ce que ça passerait pas au caillou, ici? Ouais, ça passe, les hobbits, vous pensez? Ça passe sur tout le flanc gauche. On va essayer. Anti-armure. On va mettre les chiltrons pour temporiser. J'ai qu'un seul chiltron. Non, deux chiltrons. Voilà. Parfait pour... On va le mettre assez haut pour que les hobbits puissent tirer. Là, j'aurai de l'anti-armure. Anti-armure. De la milice de Mongol. Là, on aura éventuellement monté deux en réserve. Un mur de bouclier en réserve si, ça, si je me fais percer. Et un autre. On va même mettre deux chiltrons. Deux chiltrons. Voilà. Parfait. Ça, c'est de la bonne petite défense de merde. Hein. Tout ce qu'on aime. On cesse le feu. Attendez, j'ai des mecs là-haut. Ah, mais c'est mon général. Viens là. Camarade. On va cesser le feu avec les archers. Et attendez, ouais, c'est 120? Est-ce que... Attendez, attendez, attendez. Avec 120 mecs, est-ce qu'on pourrait pas le mettre là-haut plutôt? Oh, ça passe pas, t'es sérieux? Fais chier. On va remettre le hobbit. On va remettre le hobbit. Allez, c'est parti. Ça bug pas sur les murs, les archers? Non. Le problème, c'est que s'ils sont trop nombreux, ils y vont pas. Ça arrive. Curses! The enemy are battering down our gates. Là, il y a du lourd. Hein. Qualitativement, ils sont largement supérieurs à moi. Ça va être compliqué, hein, parce que l'infanterie lourde, tu peux pas, elle est pas gérable. Hein. Walls are no longer ours. The enemy have taken them. Oh, les cailloux! Les trolls. Oh, les trolls qui font tout voler, c'est beau. La 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 mama. Chopez-les. Oh, ils sont là. Les camions Shadow Guard, ça c'est mes cibles pour mes hobbits. Ils sont bien placés en plus. Allez mes hobbits, chopez-les. Regardez-les, regardez-les, regardez-les. Boum. C'est l'intifada. Et ça tombe. Ils sont 110. Oh là là, magnifique. Ça vaut le coup d'avoir des hobbits endommagés juste pour les garder là-haut. Allez, 10% de perte déjà. Là, c'est un régal. Hein. Ils sont plus de 93, mais comment ça tombe? Qu'est-ce que c'est génial, les hobbits. Oh, les trolls. Oh, les trolls, on a du mal à les gérer. Un de moins. Déjà. Est-ce que mes hobbits ont la portée là? Ils ont la portée, mes hobbits. Allez! Voilà! Allez, 21% de perte, ça se passe bien cette bataille. Allez, on va choper les trolls. Y'a plus qu'un troll. Il fait la gueule. On va amener le T2 ici.
Là, on va charger. On va bien les flanquer. Là, on va bien support. Oh là là là. La quantité de mecs. Et ça, c'est que. Il y a du T2, du T3 et tout. C'est une belle armée de Mirkoud, hein. Même si, bon, les armées de T3, de Dolguldur, elles me font moins peur que le reste. Ça reste une belle troupe, hein. Les Hobbits, ça tire ou pas? Voilà, allez, allez, allez. Chop, chop. Voilà. Et mes archers, vous faites quoi? Oh! Tapez dans le tas, là! Il y a plein de cibles! Incroyable, ils avaient arrêté de tirer, ces connards! Ah, on compare pas les mecs du Veil au Gazaoui, quand même! Un peu de respect pour le Veil! On est plus évolué, quand même! Allez! Les Hobbits, on va continuer à taper là-dedans, il n'y a pas de cibles juteuses, là voilà, le groupe médium. Ils sont plus de 52 les camions Shadow Guard. Mais il y avait deux régiments entiers. Allez, on les sabat, hein. 42% de perte, putain, ça se passe bien mieux que ce que j'avais. Bien mieux que ce que je pensais. Je vais armer mon général. Bon, peut-être le faire pousser par là-haut. Mais là, ça fait comme Gaza la mise en moi. Ouais, mais attends, on est riche au Veil. On est. Je te rappelle qu'on a eu les messages comme quoi on était une des factions les plus évoluées de Terre du Milieu. Tu veux qu'on parle du PIB de Gaza? C'est quand la dernière fois qu'ils ont inventé un truc à Gaza? Oh. Allez, ça tombe, on les grignote. On va commencer à pousser avec les... à pousser avec les... Les chitrons. Là, j'ai mis mon général là-haut. Donc, on va commencer à venir flanquer un peu par en haut. Et on va commencer à attaquer. On va commencer à pousser. Let's go. Allez, on avance. On va submerger ça. Là, vous allez me taper les camions Shadow Guard. Allez, 60% de perte. Le général est mis dans le bordel. Il est dans le bordel, le général ennemi. Je l'ai vu là, regarde. Mirkoud Bodyguard. Je l'ai vu juste là à l'instant. On va tirer avec les archers dedans. Allez, les Hobbits là. Il y a de la petite infanterie moyenne là. Ils sont 86, chopez-moi ça. Voilà. Oh là 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 là, ça touche. Ça touche rien du tout. Ah si, ça a touché, ça a touché. Ça commence à fuir. Non, ça fuit même pas. Allez, on va aller amener le général pour essayer de leur faire peur. Attendez, on va aller attaquer leur général avec mon général. Là, comme ça. Mettre le bodyguard. Allez, on pousse. On pousse. Rappelez-vous qu'ils ont un général full étoile, hein. C'est rare, hein. Donc il va mettre du temps à tomber le général. Enfin, c'est pour ça que leur infanterie ne fuit pas. Alors que bon, dans le retour, c'est un peu de la merde au niveau moral. Les Hobbits, oh, ça, ils ont tiré que la moitié de leurs munitions, les Hobbits, hein. Les Hobbits, ils sont incroyables, mais ils sont pas faciles à utiliser. Mais ça vous mange du T3 sans aucun problème, ça n'a peur de rien, les Hobbits. Regardez ça, regardez là, comment ils s'abattent de là-haut. Et ils ont des gratons d'élite, hein, donc ils bossent, hein. Regardez ça, hop là. On ira voir comment ils ont fait le kill à la fin. Ouais. On ira voir. On l'a eu. On a eu Mokhtar le Magnifique. Là, tout va craquer.
Ah, il y a tout bas. Il y a encore une Camoule Shadow Guard là-bas. On va pas y aller. On va pas y aller. La Camoule Shadow Guard arrive. On va l'encercler proprement. On va les laisser venir. On va mettre les anti-armures dessus. On va laisser les hobbits bosser un peu. Ramenez-vous, 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 ramenez-vous. Voilà. Remettez un chiltron. Ils vont revenir. Alors, tu viens pas? Oh, mes archers les tirent de là. Incroyable. On va les laisser venir à nous. Voilà, ça revient là. On va attendre de tout mettre en fuite. Allez, ramène-toi. Voilà, ça fuit. Ils arrivent. Allez. Ils sont 87. Allez, regardez les hobbits. Les hobbits qui targetent le T3. Hop! Oh, ils en ont eu 3! Quelle bande de gigachats quand même! Vous savez qu'ils valent rien les hobbits à acheter. Là, ne serait-ce que le quart de l'unité, c'est largement les hobbits. Une petite dernière salve? Les hobbits? Allez! Allez, submergez-moi ça. Et ça continue. Il fuit à 77. Oh, c'est la honte. Oh, c'est la honte, hein. Pour du T3. Oh, c'est la honte, hein. Une si belle unité. À foncer en Mordor. Non. Il a même perdu l'accès à la porte noire. Mais il tient toujours Minas Morgul. Allez, il y a mon général qui est là. Oh, regardez comment ça vole, les mecs. Oh, les coups de savate. On les aime, hein, les généraux du Veil. Les petits cailloux au passage. Combien vous pensez de kills ont fait les hobbits? Moi, je dirais 200 kills. Ouais, un petit 200 kills. Sachant qu'ils ont bouffé de l'élite, c'est ça le truc. Je les ai fait target fire du T3 et du T2. Merde, j'espère que je suis pas allé trop vite. Il est où l'écran? Je crois que c'était après l'écran. Je suis tellement pas habitué à regarder les pertes. Je crois que je suis allé trop vite. Merde. Ah non. Si, je suis allé trop vite. Hein, je suis désolé. Désolé, je suis allé trop vite. Mauvaise habitude. Ok, là, l'elfe les a fait fuir. Où il va avec son armée, lui, là? Bah écoutez, s'il vient faire le siège, je vais aller me cacher dans Duisbourg, hein. Je vais aller me cacher dans la ville, et s'il veut l'anneau, il va devoir... Ouf. Ah! Là, on a un gros problème. Oh, il y a du T3. Iron Crown. C'est une belle armée, Northgard. J'ai que du gibon. Faut que je fuis. Je peux pas. Je peux pas être contre ça. Fall back and retreat. Pulling back from the walls. Il y avait écrit deux... Ouais, mais on s'en fout des pertes. C'est les pertes que j'ai infligées. J'aurais dû aller voir le détail des pertes, mais j'ai pas l'habitude. Bon, là, on va faire un petit changement d'armée. On va faire ça. Je vais virer, déjà, je vais amener l'élite, comme ça, je vais virer les légers, comme ça, on va mettre à la place les T2, voilà, là ça devient une armée un petit peu différente, là c'est plus la même du tout, je vais virer les archers un peu mauvais, à la place on va amener... Vous savez quoi, je vais virer même tous les archers. On va amener l'anti-armure. Voilà. Les archers, on s'en débarrasse. Les archers T1.
Voilà. Vous barrez vous. Et vous, vous retournez. Direction là, voilà. Ça, c'est une armée, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même, c'est souvent une des plus belles armées que j'ai eues en termes de qualité de ce que j'ai dedans. Voilà. Là-haut, on va continuer. Les bâtiments. Fenholm. On va continuer à mettre Mountainkeep. Maetelburg. Sheep Farming. Dale. Dale. Dale, hop. Et Dol Guldur, on va continuer à améliorer Dol Guldur. On va mettre un apothicaire. Et ici, on va recompléter les pertes. Voilà. Et là, on va aller se planquer dans la ville. Je vais virer les clodos. Les clodos d'archers qui ont pris cher. On va les envoyer vers le nord. Et on va aller occuper la ville. S'il veut venir me chercher, qu'il vienne. Et là, on va continuer à préparer l'armée qui va partir direction Karas Galaton. Et nous avons plus un sou, on fait 10 000 d'income. C'est pas mal du tout, ici, mon général. Voilà. On va faire ça, on va reprendre toute la cave. Voilà, battez-moi cette jolie petite armée. Et on va aussi prendre un petit T2. Et on va foncer direction le bled qu'il y a ici, boat, machin. Ah non. Surtout pour le moment, ouais, on va devoir penser à du multistacking, mais pour l'instant, je peux encore gérer... Oh, le siège. Ok, il fait pas le siège, mais c'est une belle armée. L'elfe a des... L'elfe a des belles... a des beaux stacks, mais c'est encore... On est bien. On est bien. On va avoir une bataille tôt ou tard ici. Hein. Et là-haut, on va finir par avoir sûrement la grosse bataille contre Angmar. Let's go. Roberg vide. On pourrait aller attaquer ça. Éventuellement. C'est pas grave, 40 piquets ça fera l'affaire. L'important c'était de virer tous les T1. Parce que face au T3 d'Angmar c'est difficile. Je peux encore gérer Dol Guldur et ses unités, mais Angmar je peux pas les gérer avec du T1. C'est difficile hein, le. Angmar là, oh là là, les T3 ça fait beau. Hein. Oh là, j'ai fait un petit run d'entraînement avec Eren Luin, je me suis régalé. Je me suis régalé. Hein. Ça, vous savez que j'ai joué beaucoup de clodo ces temps-ci, hein, quand on y pense. J'ai joué beaucoup de clodo en faction. Putain, rejouer avec des bonnes unités, ça m'a fait tout drôle. Hein. J'étais là, putain, mais c'est incroyable. J'ai l'impression d'être super fort. Ça fait plaisir, après un run avec les Hobbits et... les Hobbits et le Veil, qui sont quand même considérés comme... deux des factions les plus merdiques du jeu, hein, on va pas se cacher. Allez, ouh, regardez. Est-ce qu'il n'y a pas un coup à jouer pour faire sortir la garnison, là? Il y a un peu de T2, mais j'ai de la cave. Il y a quoi à l'intérieur? Du gibon, let's go. Allez, on va la tenter. On va la tenter, on va essayer de prendre la ville. Coflavius, coucou. On va essayer de prendre la ville et les défoncer. On va continuer l'expansion sur et casser la gueule de Dol Guldur. Bon, j'ai beaucoup d'archers. Tant mieux, il y a beaucoup de terrain en face. Par contre, mon placement est abominable. J'ai une formation très défensive. 5 murs de boucliers. Parfait. Moi, j'aime bien les murs de boucliers. J'ai aussi pas mal de caves. Deux caves de choc. Deux unités de javelot qui sont parfaits pour essayer de choper un petit T2 et des archers. Des archers de cavalerie qui sont secondaires. Ah non, j'ai pas vu. Oh là là, j'ai pas vu. J'ai encore plus de murs de bouclier que ça. Au moins, on va pouvoir faire un gros mur défensif. Mon général, et on va le laisser un peu derrière pour pas qu'il meure tout de suite, me connaissant. Du T2. Voilà! Voilà mon armée de clodo. Pas mal. Let's go. Forcément, on n'a pas la portée. Ça serait trop beau pour être vrai. Espérons qu'ils viennent me chercher. Je pense pas. Hein. Non, ils ne viennent pas me chercher.
Le Mordor au début c'est complexe, tu rigoles? Le Mordor c'est une des factions les plus faciles du jeu. C'est tellement facile. T'as tellement de troupes que tu peux encercler l'IA, tu peux faire des trucs tellement sales. La dernière fois que j'ai joué le Mordor, mais on a steamroll la carte, mais c'était d'un chiant. Tellement c'était facile. Et en plus t'as les Nazgûl qui sont mais super OP. Est-ce que j'ai le temps d'aller? Est-ce que j'ai le temps d'arriver? Non, je suis pas d'accord. Hein. Le Mordor, c'est cadeau. Hein. Vraiment cadeau. Hein. C'est fun, hein. C'est fun, mais c'est facile. On prend beaucoup de... Oh, mais prendre des pertes, c'est pas grave. Prendre des pertes n'est pas en soi un problème. Hein. L'important, c'est de faire de l'argent. C'est de faire de l'argent. Non, 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 n'y va pas, n'y va pas. Allez, on va charger là-dedans. Faut que je fasse attention à la... Les Camus Shadow Guard, ils sont en train de tanker les flèches, ça me fait extrêmement chier. Ma cavalerie. On a un énorme pâté de troupes, c'est ça que je veux choper. Oh, ils fuient déjà. Qu'ils sont pas bons. Qu'ils sont vilains. Il est un peu paumé là, on va en profiter. Ma cavalerie, je fais de la merde. Archers sont en retard, tout est en retard. Ok, l'infanterie médium, on va venir les encercler. Oh là là, il y a de la viande. Je vais amener mon général ici. Mes deux unités de gibon, viens taper ça là-bas, toi dégage, toi viens choper les Nagastalkers, ici venez flanquer tout ça. Allez, les javelots. Allez, on encercle tout. C'est important cette bataille, hein. On va récupérer une ville. Là, mes javelots sont en train de faire un massacre dans l'unité de mercenaires du Rhône. On va amener la cavalerie pour faire des... Oh, ma cavalerie, c'est... D'accord, c'est barré. Ok, génial. Bon, après, c'était des mercenaires. Hein. Allez, si ça va bien finir par craquer. Il y avait un général dans cette armée, il me semble. Ah, ils sont là, meilleur coup de bodyguard. On va concentrer le feu dessus. Et on va essayer de faire une petite charge dans le dos là. Non, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. Là! Ah, la petite charge. Shaken. Pareil.
Rappelez-vous que j'ai pas de général dans cette armée, hein. Mon moral est ric-rac comparé à lui. Faut pas que je joue trop au con. Allez, un capitaine en moins. Il y a tout qui fuit là. Tout le front a lâché. Les nains, chargés. Capturez-moi tout ça. Ici, poussez. Voilà, ici on est ric-rac. Il faut vite que je débloque des... Je vais ramener mon général ici pour défendre. Parce que là, c'est compliqué. Il y a le général qui est là. Regardez, le, il doit être dans le coin, là. Ok, il y a... Attends, ça fume pas assez. Allez. Allez, viens boucher les trous, ici. Oh là là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mon centre est en train de lâcher. Il faudrait que j'arrive à passer ce putain de barrage. Oh, ici, c'est... ici ça fait la gueule. Je pouvais passer. Ici, il faut que je vienne charger comme ça. Là. Tirer là-dedans. Si je perds mon général. Si je perds mon général, on est dans la merde. Oh, ici. Allez. Oh, ça fuit. Magnifique. Parfait. Et on a le général. Ouh. Tout va s'effondrer. Allez, là, encercle-moi ça. Oh là là, ça craque au centre. Allez, la petite charge. Aïe, 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 au centre, c'est compliqué. C'est compliqué au centre. On est en train de gagner sur un flanc. Il faut que j'arrive à passer des troupes. Ah putain, il vient me bloquer. Ah ici, il tient. Mon général 49. Je suis très inquiet. Allez, chargé. On va engager les archers au cac. C'est parti. Cette bataille. Oh, les Camus Shadow Ranger. C'est pas de mon tiers, ça. Allez, mais paniquez ici. Dans quel monde ça fuit pas, ça? Il meurt. Ah, voilà, ça y est, ça fuit. Allez, ici, on va tenter de passer comme ça par derrière. Je vais essayer de retirer mon général du champ de bataille. Oh, mais ici, je suis attaqué, c'est une vague. Et on va continuer à amener de la viande. Ici, ça fuit, bonne nouvelle. Et là, on s'est incrusté, ça y est. Hop, hop. On va amener la cave. Regarde ton général, je sais. Mais s'il veut pas se barrer, il veut pas se barrer. Oh là là, oh là là, oh là là. Coucou. Allez, ça fuit, c'est bon, ça fuit. Allez, pour nous, celle-là. La moitié de l'armée y est passée. Les gobelins d'Hunter sont excellents. Les nains vont s'en occuper. En plus, ils les détestent. Allez, là-bas, on poursuit tout ça. Mais ici, ça tient. Ils tiennent jusqu'au bout. En fait, leur général était toujours vivant. C'est le capitaine qui est mort. Le général est toujours vivant, il est là.
ça qu'il y a un aussi bon moral dans cette putain d'armée à la con là. Chope-moi tout ça. Chope-moi tout ça. Je suis dans le plus possible. Regardez ça, le moral. Allez, on l'a eu. On l'a eu. Il m'aura bien pété les couilles. Il m'aura bien pété les couilles. Ok, pas mal. Belle win, j'ai eu un peu peur. Mais ça me permet de prendre une ville dans la foulée. Et ça, c'est cool. On va en tuer le plus possible. On va en tuer le plus possible. Ouais, c'est bon, allez. Allez. Simple et efficace. Le but, c'est d'enlever des moyens de production à Dol Guldur. Chaque fois qu'il perd une ville, l'argent pour lui n'est pas un problème. Bah alors, il reste quelqu'un sur la carte. Attendez, j'ai eu le message au moins de victoire. Ah, regardez, c'est lui là. Jakku. J'arrive pas à la choper. Il va partir. Voilà. Voilà. Oh, j'ai perdu 1000 hommes. Hein. C'est beaucoup. Hein. Sacré carnage. Hein. Sacré carnage, mais ça fait un stack en moins pour Dol Guldur et une ville en moins. Et maintenant, on va bétonner la ville. On va mettre une garnison et il va falloir venir me chercher. Il doit plus lui rester beaucoup de villes à Dol Guldur maintenant. Hein. Il doit lui rester 1, 2, 3, 4, 5. 5 villes, je crois. Peut-être 6. Putain, 6, c'est quand même beaucoup. Vous vous demandez la quantité de villes qu'il avait avant que j'intervienne contre lui. On exécute. Hein. Voilà. Oh, le bâtard. Allez, on attaque. Il reste quoi là-dedans? Il reste plus rien. Ça passe crème. C'est un Stawin. À tustur. Ben oui, allez hop. 6 pertes. Et on prend la ville. Il n'y avait pas de mur, hein, à Tustur. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de mur aussi tardivement dans la game. On va voir si on peut pas mettre un mur direct. On va baisser. Allez, 469 habitants! Vous savez que c'est rare. D'habitude, l'IA arrive plutôt bien à... Eh, il y a déjà une gare. Ah non, il n'y a pas de garnison. Bah, on va mettre une garnison en urgence. On va mettre une garnison en urgence. Et voilà. Ici, on va continuer... à produire. Alors, rapport de construction, Duisburg. Duisburg, on va mettre un apothicaire. Léodolt. Smoking House. Dornoach. On va continuer à changer la culture à toute vitesse. Quoi que non, Master Ground, il me faut des troupes ici pour pousser vers le Mordor. Et ici, on va recompléter. On va installer un petit camp. Et on va commencer à changer cette petite ville pour en faire une base d'opération. Alors, ici. Est-ce qu'on l'attaque? Est-ce qu'on l'attaque? Moi je dis let's go. C'est parti. On va le défoncer. Bâtiment à détruire. Tu rends les biens à quelqu'un? Non, là je rends à personne, c'est pour moi. Tout là, ça va être des... On va faire des thunes. C'est super safe maintenant. On va faire des thunes. On va mettre des troupes. Ah, là, on a un meilleur terrain. On n'a pas beaucoup d'archers. Ça va être une armée de rush. Hein. On va rusher comme des débiles. Regardez mes généraux. Énorme. Mes généraux, ils vont tenir une aile. Hein. Alors, au centre. Au centre... J'aurai quelques murs de boucliers, pas beaucoup. Ouais, c'est une armée full bourrin que j'ai. Ça va être tellement bourrin. On va faire une aile avec. Est-ce que c'est pas la meilleure armée que j'ai eue sur le terrain? Je pense que si. C'est vraiment
une très très belle armée. On va plutôt mettre le T1 devant pour prendre les pertes. On va préserver les meilleures unités. Mes généraux sont là pour faire peur. Ici, on va mettre des mercenaires pour prendre des pertes. Voilà. Et on va brûler. On va brûler. C'est parti. Let's go. Ça va être simple, hein. Le genre de stratégie que j'aime avec les nains. Combien il reste de vie à Dol-Guldur? Je pense qu'il doit rester 5 ou 6. Regardez-moi toute cette armée de clodos. Oh non, les archers vont voler. On va pas les laisser tirer. On va pas les laisser tirer. On va donner les ordres. Vous savez quoi, je vais charger avec tous mes généraux en première ligne. Let's go. On va les brûler. On va les brûler très très fort. On va pas leur laisser le temps de s'installer. Avec leurs archers puants là. On va aller attaquer les wargs. Les wargs vont arriver sur le flanc là. On va aller les chercher. Là les wargs, on envoie des renforts. Allez, on est en train de faire des pertes là. Allez, c'est parti. Là, là j'ai un peu peur. Voilà. Et on va dégager les orques-molleurs. Voilà, mes généraux. Tous mes généraux sont au centre. En train de démolir l'infanterie moyenne de Mirkwood. 5 généraux. J'essaie de pas perdre de généraux. Fais chier avec ces archers lotards. Okay, les wargs, on les croque. Avec mes troupes d'élite là. Tant mieux. Je voulais pas que les wargs viennent charger mes généraux. Et après, on va pouvoir basculer sur le flanc. Allez, incruste-toi dans le dispositif là, let's go. Là pareil, on s'incruste. Only half the enemy force remains. On a crevé le front ici. Là-bas les wards sont en fuite. On est en train de les dévorer. Hein. On a pris que 10% de pertes. Hein. Le centre a déjà craqué. On pousse. Ah, c'est moins clodo qu'avant. Hein. Une armée un peu plus supérieure au niveau qualité. Ça se sent. Hein. L'infanterie légère, là, elle est encerclée. On va aller choper tout ça. Mais non, il y a un war qui est venu au cac, t'es sérieux. Allez, ça passe. Mes généraux qui ont forcé dans le tas comme des gros malpropres. Chopez-les! C'est que ça se bat bien en plus, ces saletés là. Mais ça, l'infanterie légère, dans quel monde elle tire aussi bien? Ah, ça y est, ça panique.
Ça y est, ça fuit. Ça, c'est le feu. Vous allez faire du friendly fire. Allez, on pousse. On a même pas eu le général, lui. Parfait. On va essayer de faire quelques petits kills, peut-être. Bon, malheureusement, on va avoir du mal à... Allez, là, ça nettoie un peu. Ouais, tant pis. J'ai pas de cavalerie. Voilà, un stack en moins, perte minimum, on va les recompléter. On va les recompléter et puis après, on va descendre direction de Mordor. C'était l'armée de l'anneau de pouvoir, hein. Imaginez là, si j'avais perdu l'anneau, il me semble que j'avais déjà fait une bataille où j'avais perdu l'anneau sur un accident. Je crois que c'était avec Bri. C'est pas avec Bri que j'avais perdu l'anneau par accident? Peut-être, hein, il me semble. Hein. Où j'avais fait une bêtise et l'anneau, il était tombé de la poche à tabac en pleine bataille. Et le gars, en voulant le ramasser, s'était empalé sur une épée... Ah, c'était petit accident, bon, écoutez, voilà. Faut choisir entre la pochette de tabac et voilà. Ça peut arriver. Là, on va prendre quelques troupes. On va renvoyer vers le nord. Et là, on va les recompléter ici, où on a de la troupe de qualité. Là, les elfes nous amènent une belle petite escorte. On va pouvoir amener un général aussi à Dol Guldur. Et là, je voudrais bien faire ça depuis longtemps. Voir un peu de vision. Merci. Voilà. Oh là là, ici, c'est compliqué. Bon, comment ça se passe sur le front nord? Oh putain. Je suis en train d'être submergé par Angmar. On va devoir battre cette armée. Il y a du monde. On va essayer de reprendre. Ça va pas être la même là. Let's go. Muster your courage, men. We march into battle. Un petit gros de Bria, ça tu t'en rappelles, un petit gros. Le pauvre. On lui avait confié l'artefact le plus important et il l'a perdu de sa poche à tabac. T'imagines s'il avait perdu sa petite pochette à épices? Eh mais le terrain est encore merdique, putain. C'est possible d'avoir un terrain plat? Où je suis pas comme un gros cuck, là? Voilà. J'ai deux généraux qu'on va mettre en deuxième ligne. Qui vont couvrir. De l'infanterie sur les flancs avec de l'anti-armure. Comme ça. Du T3 ici pour un flanc fort. J'ai pas mal de javeliniers pour essayer de trouver une cible intéressante à croquer. Et on va amener beaucoup de cavalerie lourde aussi. Hein. Là, j'amène de la cave. Hein. On va essayer de jouer autour de ça de l'autre côté plutôt. Voilà. Ok. Mon armée en place. On va voir ce que ça va donner, c'est plus lourd que tout ce que j'ai amené avant par rapport à avec Gundabad, avec Angmar. J'ai oublié un mur de bouclier. Voilà, on va voir ce que ça va donner maintenant au combat. Ouais, forcément, il est superbement bien installé. Moi, pas. Alors, ça va être compliqué à aller chercher. Il va être très compliqué à aller chercher. On va essayer de rusher. Il y a ses potes qui arrivent en plus. Hein. Oh non, 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 pars, pas de cacher là-haut. Pars, pas de cacher. Oh putain. Cette bataille va être chiante. Je déteste ça quand Lee a fait ça, putain. On va essayer de trouver des cibles juteuses qui traînent derrière. Et là, on va essayer de trouver T2 à choper là-haut. Tiens, Iron Crown, ça qu'on veut. Tu veux pas te battre, moi je vais venir te chercher. Ouh, il y a des Dark Blade. Attendez, les Dark Blade m'intéressent plus.
aller se planquer tout là-haut. Putain, et là, je peux même pas monter la colline! Ok, je crois que cette fois, on est bon. Il revient. If we continue like this, we will smash the enemy. A réussi à faire de la troupe, je crois pas. Pas aussi vite. Mais c'est juste qu'il amène énormément de renforts. Ok, ça arrive. Ça arrive très très vite. Ok, ça passe à l'offensive. Oh là là, la quantité de warg. La quantité de warg qu'il y a. Ok, ça arrive. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Bon bah, ma cavalerie va être décisive. Allez. Warg. Allez, on va essayer de trouver quelques bonnes charges avec ma cave lourde. Ah putain. Oh quoi, la Norse Garde. La Norse Garde là. Petite cave. On va essayer de la déglinguer. Allez. Allez, la Norse Garde. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, voilà, voilà. Allez, barrez-vous, on recommence. Ouh là là, là-bas. Ouh là là. On va aller choper les wargs là-bas. On va aller choper les wargs avec mes anti-wargs. Voilà. Là, on va juste envoyer la cave lourde. Et avec les deux plus légers, on va contourner. Il n'y a que des troupes de cac là-dedans. Allez, il vous faut juste un trou dans le dispositif ici. Là, on est en train de manger du warg. Allez, le petit trou dans le dispositif. On va basculer comme ça. Allez, on a eu un capitaine. On a eu un capitaine. C'est bon pour pas bon pour son moral, ça. J'ai très peur au niveau de la qualité qu'il amène hein, sur le champ de bataille. Hein. Il a l'air très très quali. Alors ici, je suis absolument pas prêt pour notre charge. Oh là 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 là. Là-bas, mes javeliniers. Ici, on les a décrochés. Ça, c'est une bonne nouvelle. La Norse Garde est en fuite. Il faut qu'on décroche d'ici. Si seulement ils pouvaient me lâcher la grappe. Elle est très bien placée. Ils sont très bien placés, ces piquets ici. Je peux rien faire contre ces piquets. Là, on a renforcé le flanc. C'est une bonne nouvelle. Allez. Il y a un trou maintenant. Il y a un trou. Oh là là. Oh là, j'avais pas vu les missiles. Je veux juste passer derrière là. Je veux juste passer derrière. On est en train de les croquer à la qualité. Ça fuit. Oh, tout qui fuit, l'Iron Crown. Les généraux qui ont terrifié les unités. Quelle bande de tchad.
Oh là là, tout qui s'est effondré là. Eh, dès que j'amène des T2 et de la cave, c'est plus la même, hein. Oh là 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 là, la quantité de troupes qui sont en fuite. Allez, on pousse. Voilà, allez. Le général ennemi est là. Général contre général. Ça, c'est ce que j'aime pas. On va venir des renforts. Allez, tout est en fuite ici. Là, la petite charge dans le dos pour le moral. Allez, tu es le général. Voilà, dégagez la cave. Oh, les wargs qui font mal. On l'a eu. Je crois que non, c'est encore un autre capitaine. C'est même pas le général. C'est un autre capitaine. Il y avait trois armées qui sont arrivées. On va bientôt la voir, l'autre, là. Allez, il y a tout qui fuit ici. Troupe du Veil en fuite. Dogmar, pardon, en fuite. Voilà, là, il y a encore du monde. Il y a encore beaucoup de monde qui est en train de se reformer. C'est compliqué. Oh putain, d'où ça sort ça? On va venir charger dans le dos. Une petite charge. Et on n'arrive pas à tuer le général ici. On l'a eu! On l'a eu! Allez, on pousse. La cavalerie. Allez, on charge. Non, non, j'ai fermé ce clic ici. Continue d'attaquer. Allez, la petite charge. En pente, comme ça va faire mal. Même si mes mecs sont cuits. Voilà, voilà, ça fuit. Magnifique. C'est un bordel énorme, mais on a gagné. Enfin, je pense. Allez, chopez-moi tous ces wargs là. Ah ouais, il y a quand même du bon moral. Oh là là, ici ils font mal, ils font mal. Attendez, on va venir les encercler. Les albardis sont assez terrifiants. Et ici, ils ont un bon moral, ça veut pas lâcher. Oh, les pertes qu'on prend! Ici, on est en train de tout nettoyer. On a déjà fait beaucoup de pertes, hein. Presque 1000 prisonniers. Allez, chargez-les! Les mecs sont cuits, les mecs sont cuits. Allez, voilà, le petit coup dans le dos! 75 albardiers de la couronne de fer sont en retraite. Là, on s'est débarrassé des mecs du Rodour. On va venir aider. Je vais piller mes généraux parce que là, j'ai un peu peur pour mes généraux. Ils sont encore nombreux, les bâtards, là. Je dirais pas, mais... Allez, si ça craque, tout craque. On va aller attaquer les Darkblade. Putain de bataille. Ça fait plaisir d'avoir de la qualité contre Angmar. C'est la première fois que j'avais... C'est pour ça que j'ai fait le switch d'armée T1, T2 et que j'ai pas combattu tout à l'heure. Parce que c'est une belle armée qu'il a Angmar. Mais il a toujours le problème d'Angmar, c'est le moral. Si vous arrivez à tuer le général assez rapidement, bah, le moral peut très vite tomber, même dans des unités T3. The enemy
army flees the field. Pursue and run them down. Allez. De rien, on a fait du kill. Hein. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de kills. Ça fait plaisir. Voilà, 1300 prisonniers, ils étaient au moins, je pense, un bon millier, on a tué plus que ça même. On va continuer à essayer d'en chasser le plus possible. Voilà, parfait. Qu'on optimise la bataille. Ok, on prend, parce que le problème d'Angmar, c'est qu'il va plus s'arrêter. Hein. On a un stack plus bas, on a un stack ici. Angmar ne s'arrêtera plus. Hein. The enemy are utterly vanquished. This is a great victory. C'est 3000. 3000, 3200, 1500 tuyaux, ouais, c'est ça. 2500 total, parfait. Presque 3000. Presque 3000 milliards de combat. Ah, un peu de cave, ça aide quand même, bien sûr. Surtout là, contre des T un peu supérieurs et tout, les charges de cave, là, c'est ce qui me débloque. Comme toujours, hein, la cave à Medieval 2 est importante. Le problème, c'est que la cave est un luxe. Et je préfère investir dans l'économie que dans la cave. C'est ma façon de jouer, hein. Et comme je micro pas trop bien la cave, bah justement, ça me... Pour moi, la cave, parfois, est un peu du gâchis, vu comment je l'utilise ou que je l'oublie. Putain, la rançon était à 10 000. Ça vous dit les qualités des armées qu'on a prises en face, quoi. 10 000. Les archers de la couronne de fer, 1000. C'est ouf. Allez, on exécute. Pas crevé. Ah! On a fait un mauvais nage. Et on va retourner faire le siège de Gundabad. Attendez, mais Gundabad est. Et hop! Non! C'est une blague. Yes, my lord. Je peux pas rentrer dans Gundabad là? Mais si! Voilà! Je peux rentrer dans Gundabad, je me disais bien! Voilà! J'ai pris Gundabad, j'ai fait un misclic et j'ai pas envoyé l'armée principale. Bon, c'est pas grave, normalement, on devrait avoir la garnison qui va être là. Voilà, la garnison est là. Je peux pas lever de troupes, malheureusement. On va commencer à changer la culture. Là, je vais envoyer tous ces renforts. Voilà. Nous avons une armée à Gundabad, c'est bon. Parfait. Ok, pas mal. Pas mal du tout. Ici, on va les recompléter après. On va recompléter ce qui reste ici. Oh, les elfes. Ouf. Vivement que j'ai une vraie base logistique ici. On va dégager ça et on va mettre les camps de cavalerie lourde. Que je puisse faire de la cave T3 dans le sud. Ici, c'est bon. Oh là là, et on a tout pacifié ici. Comme je dis, Mirkwood, ils sont encore un peu là dans la forêt, mais à part ça, ils sont... Bon, je vais arrêter là, je suis crevé, on peut faire un petit toggle faux avant. On va aller voir un peu, entre autres, l'Isengard qui a perdu. C'est rare que l'Isengard se fasse péter la gueule et prenne carrément... Ok, c'est la grosse bataille. Oh, regardez ça. Le Gondor est chaud. Le Gondor est chaud, tour 125. Tentative d'invasion du Gondor. Il y a 1, 2, 3, 3 Nazgûl dont le roi sorcier d'Angmar. Et il n'arrive pas en auto-battle à le dégager. C'est ouf. 4 Nazgûl. 1, 2, 3, 4 Nazgûl. Le Gondor est dans la place contre 4 Nazgûl et il arrive à faire poum-poum. Et là-haut, c'est pas mal. Il va me préparer le terrain. Ici, après, dès que l'anneau sera là, on va pousser plein sud avec peut-être 2 ou 3 stacks. Et on va essayer d'aller prendre Morannon.
D'ailleurs, je suis pas lié au Gondor, ça me fait penser qu'il faudra que j'essaie de faire ça. Oh, oh là là, Angmar. Angmar a pris Eredwin. Angmar est terrifiant. Angmar est terrifiant. Ah, il a levé le siège de Goblinton. Ça, ça fait mes affaires. On va recompléter. Angmar est terrifiant, ouais. Il a pris tout le nord. Il y a les elfes qui résistent. Mais il y a malheureusement Ardunain qui s'est posé chez les elfes aussi. Les nains, sont, ils ont encore quelques stacks. Je pense... Oh là là, putain. Je pense que sans l'Isengard, c'est fini pour l'Isengard. Et... Alors une armée, je sais pas. Mais il y a le Mordor est là, sans aucun doute. Hein. Mais on a Dorvignon qui est chaud. Dorvignon qui n'arrive pas à prendre Mistrend. Mais c'est pas grave, puisqu'il a mangé tout le reste. Et on a la guerre entre les nains et... ça, ça fait chier, la guerre entre les nains et Dorvignon, mais c'est pas grave. Le fait qu'on ait, qu'ils aient tué... presque entièrement tué... Le Rune, c'est très bon pour nous, parce qu'on pourrait peut-être avoir des armées de Dorvignon... Oh, regardez, des armées de Dorvignon en Mordor! Une autoroute sous le plan complètement. Mais complètement que c'est une autoroute. Et on va la prendre! Au pas de loi! Au pas de loi jusqu'à Barad-dûr. Et en plus, Dorvignon vient faire diversion en commençant à attaquer le Mordor dans le dos. Ça fait nos affaires, tout ça. Oh, Barad-dûr, il y a du monde. Hein. Barad-dûr, il y a du monde. Hein. On s'approche de la fin. Je pense que le Mordor prend cher. Le Mordor prend cher. Nous, on est pas mal aussi. On a repris Gundabad. On a fait du ménage ici. Et c'est qu'une question de temps. Regardez, il reste plus grand-chose à Dol Guldur. Dol Guldur, là, il y a 3 villes. 4. 5, 6, 7. C'est beaucoup 7 villes, mais vu comment Dol Guldur est encerclé, la prod et tout, ça va se casser la gueule. Regardez, il n'y a pas d'armée dans toutes ces villes. C'est vide, en fait. On lui a tellement mangé de stack que c'est vide. Il est foutu. Il est foutu, Dol Guldur. Bon. Je m'arrête là. Demain, je continuerai le game avec la Légion Tchèque et le train. En début d'après-midi. Et en soirée, je ferai du Mountain Blade. J'ai envie de jouer à Mountain Blade. Mais j'ai pas envie de jouer hors stream. Donc ouais, je vais... Le Gondor, ouais, le Gondor, bien. Attendez, je suis pas allé voir dans le sud. Mais dans le sud... Aïe, 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 c'est compliqué. Ardunheim commence à être déchaîné. Deux stacks. Le Gondor tient encore là, tout ça. Mais l'Ithilien est toujours là. Ça se défend bien. Le Gondor se défend bien. À voir combien de temps face à Ardunheim. Ardunheim qui a passé la vitesse supérieure là. Ardunheim en late game, ils sont difficilement arrêtables. Bon. Hop là. Ouais, je vais l'essayer le mode LOTR de. D'abord, je joue un peu de la vanille pour découvrir le jeu. Et après, on basculera sur des modes. Mais j'ai hâte de tester le Mountain Blade, Seigneur des Anneaux. Hein, je dois avouer. Hein. Et moi, dire la vanille. Ouais, mais... Je sais pas, la vanilla, je trouve pas ça dur non plus. Hein. Il y a de l'argent et tout à se faire. Bon, sur ce, je m'arrête là. Passe une bonne soirée. Je vous dis à ciao, ciao. Salut tout le monde. Bye.